Salut, c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis web entrepreneur, accompagnateur pour oser vivre ta vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'un conseil que j'ai, d'un exercice plutôt que j'ai fait faire à ma fille pour mieux s'ancrer, pour être plus ancré dans des moments difficiles. Je vais prendre en fait comme exemple l'arbre. Tu vois, tu as des arbres qui ont plus de 100 ans et qui sont là, qui ont résisté à des tas de tempêtes. Et tu as d'autres arbres d'une même espèce pourtant qui se couchent après 20 ans de vie, 10-20 ans de vie, la première tempête, le premier gros coup de vent, ils se couchent. Donc je lui ai dit, la nature elle nous apprend plein de choses. Et y compris ce genre de choses. Face à des expériences difficiles, pour résister, pour tenir bon, pour pouvoir profiter de l'expérience, évoluer et poursuivre sa vie, si je puis dire, il est important d'être bien ancré, bien enraciné. Donc l'exercice que je lui ai recommandé, c'est un exercice très simple, que beaucoup de gens connaissent, souvent sous la forme d'un exercice où est-ce qu'il faut se poser, se détendre, etc. C'est les fameux exercices où est-ce que tu imagines qu'il y a des racines comme ça qui sortent de tes pieds. Tu sais, il y a des trucs comme ça, tu vas fermer les yeux, te détendre, imaginer qu'il y a des racines qui sortent de tes pieds, qui vont jusqu'au cœur de la terre et qu'il y a cette énergie qui circule entre toi et la terre. Bon, c'est déjà un très bon exercice, c'est une chose. Ça, c'est bien à faire de temps en temps, pourquoi pas. Mais la solution que j'ai voulu lui apporter, c'est par rapport à des événements précis. Donc, ce que je lui ai appris, c'est à être le plus enraciné possible. Donc, je lui ai dit, prends l'habitude, à chaque pas que tu fais, d'imaginer qu'il y a un lot de racines comme ça, qui font une grosse prise au niveau du sol. Tu vois, comme si, dès que je pose mon pied par terre, hop, t'as plein de racines, tu vois, comme ça, qui s'accrochent au sol. À la manière de Groot, dans le personnage là, de fiction, dans les trucs de la galaxie, là, les gardiens de la galaxie. La Groot, c'est un personnage immense qui est comme un tronc d'arbre, comme un arbre vivant. Et un petit peu à cette manière, pour un enfant, je trouve que ça parlait plutôt pas mal. Où est-ce que, voilà, quand t'imagines que t'as le pied de Groot, tu vois, que quand tu marches comme ça, à chaque fois que tu marches, t'as ces racines qui s'enfoncent comme ça, qui s'impriment dans le sol. Et de faire ce genre d'exercice, pas seulement des fois de temps en temps, de fermer les yeux, se détendre, imaginer les racines, etc. Parce que ça prend un certain temps. Le fait de visualiser comme ça des racines à chaque pas que l'on fait, ok, t'es pas obligé de le faire en permanence, mais de prendre le temps de faire des marches comme ça dans la journée, tous les jours même, on pourrait dire, ou est-ce que tu vas t'exercer comme ça à faire plusieurs pas, ou est-ce que en conscience, des pas en conscience, tu vois, ou est-ce qu'à chaque fois que tu mets le pied par terre, t'as ces racines comme ça qui s'ancrent bien dans le sol, tu vois. De faire ce genre de choses, ça va aider, en fait, ça va t'aider à être, sur le plan énergétique, plus ancré. Et ça va amener une nouvelle mécanique dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ta manière de fonctionner, qui va faire que lorsque tu vas te trouver dans une situation difficile, où est-ce que, comme un arbre, va être face à une tempête, tu vois, eh bien, tu vas avoir ce réflexe, comme ça, de t'ancrer, d'être plus ancré encore, voilà, de « yes, je suis maintenant, je suis comme cet arbre et je ne plierai pas devant la tempête » parce que je vois le soleil après la tempête. Je veux voir ce qui va se passer après cette tempête parce que je sais qu'à l'issue de cette tempête, je serai plus fort, je serai meilleur. Donc, voilà, je vais amener à faire cet exercice, à prendre conscience de ça et c'est ce que je te propose donc aujourd'hui au travers de cette vidéo. De prendre du recul comme ça et d'être plus conscient de chaque pas que tu fais, de leur donner de l'importance et de prendre l'habitude comme ça d'être bien ancré, bien là, bien ok avec toi-même. Tu vois, je fais un pas, yes, je suis ok, je suis là, maintenant. Et comme ça, quand je me trouve face à une situation importante où est-ce que je peux douter de moi, avoir un manque de confiance ou avoir l'habitude de me mésestimer, eh bien, là, je ne me focus pas sur est-ce que je vais être capable ou pas capable. Non, je me focus sur je suis cet arbre. Je suis cet arbre qui ne couche pas. Voilà. Exerce-toi ce genre de choses. Dis-moi en commentaire si tu connais un exercice similaire ou peut-être celui-ci. Dis-moi aussi en commentaire si tu pratiques ça, qu'est-ce que ça t'apporte. Voilà, j'aime bien avoir ton feedback, savoir le résultat
de ce que je peux te proposer justement et ce que tu en fais derrière et ce que ça t'apporte, tu vois. Parce que si tu t'ancres bien dans ce système, si tu pratiques bien ça, tu vas vivre après des expériences qui vont t'amener à confirmer justement cette nouvelle conscience, on va dire. Voilà. Donc, donne-moi du retour. Yes. Merci infiniment. Bon, comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. Commenter, c'est sûr, je viens de te l'inviter vraiment à le faire. Mais partager, c'est vraiment important. Et t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu veux suivre justement tout ce qui se passe. Donc, bienvenue à toi, abonne-toi. T'as la petite cloche aussi que tu peux activer, comme ça t'as une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà, et puis quoi te dire de plus, ose vivre ta vie, hein. C'est quand même le but. Hein. Ose vivre ta vie parce que t'es quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. Comme on dit, tout ce qui est unique est rare. Tu es unique, tu es rare, tu es précieux. Alors mets ce côté précieux de toi en avant. Voilà, prends soin de toi comme un joyau sacré. Yes, parce que tu es sacré. Bon, prends soin de toi, ose vivre ta vie. Et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.